you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. Toujours en Suède, on va bientôt partir, mais on a encore quelques occasions de pêcher ici, donc dans l'archipel suédois. Et aujourd'hui, ça va être un défi avec ce petit crankbait. C'est un crankbait fait en bois, un crankbait allemand. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la marque Unique Fish. On avait présenté les leurs de cette marque et voilà, ils nous ont envoyé une nouvelle version du Rocket Perch, un petit crankbait très sympa avec une superbe couleur ici, Fire Tiger. On va le tester, on va pêcher la perche avec et on va voir ce qu'il donne sur les perches suédoises. Allez, go! Non, canebasse. Poisson. Oh, yes. Oh, c'est joli, c'est joli. Voilà, une perche. C'est vraiment le premier lancer que je fais avec, avec le Rocket Perch. Belle perche suédoise, vous avez vu le combat qu'elle met, c'est tout simplement hallucinant. La première, une petite suédoise bien bien grasse. Elle avait vraiment beaucoup de vigueur, j'ai cru un poisson beaucoup plus gros. Finalement c'est quand même une belle perche. Voilà, au Rocket Perch, c'est cool. Hop, ça repart. Nice Hugo. Ah yes. Bon, je pense que... Bon. On va en faire quelques-unes avec. On va en faire quelques-unes, je pense, ouais. C'est vraiment un bon leurre. Et dès que j'ai fait le premier lancer, c'est bien, c'était une perche vraiment correcte. Il y a beaucoup de petites, beaucoup de densité ici. C'est cool déjà de faire un bon poisson avec le crankbait Unique Fish. On va continuer en espérant faire encore plus gros. Allez. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. 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 Une autre perche sympa, au Rocket Perch sur le même spot. Allez, ça repart. Yes, c'est bon. Ah. Avant de continuer la pêche, je voulais parler un petit peu plus de ces crankbaits et de la marque Unique Fish. Donc c'est une marque allemande. Donc elle fait des leurres handmade en bois pour le carnassier. Là vous avez le petit modèle, le Rocket Perch, qui est vraiment sympa, donc tout en bois, hein, crankbait avec une longue bavette. Il descend bien, il aime bien se travailler une action lente, c'est très très bien pour les perches. Pour les petits brochets aussi, il fonctionne très très bien. C'est des leurres silencieux, ce qui est un avantage, beaucoup de leurres aujourd'hui sont bruiteurs. Et moi j'aime bien les leurres silencieux justement pour se démarquer. Souvent j'ai plus de résultats avec des leurres silencieux qu'avec des leurres bruiteurs sur les crankbaits. Donc celui-là est très très bien et j'adore la couleur là, Fire Tiger pour les coups du soir, vraiment top. Le petit ventre orange, tous les truiteurs connaissent voilà, l'astuce du ventre orange, c'est les leurres avec ça marchent. Moi je trouve mieux, voilà, il y a un petit supplément d'agressivité en plus qui pousse les poissons à attaquer, là c'est bien sur ce leurre. Ils font aussi d'autres leurres, hein. C'est une petite marque vraiment sympa que je vous invite à découvrir. Dans la description vous avez le lien du site internet et un petit code promo pour ces leurres. Donc voilà, si ça vous tente, ils sont très très bien finis, ils sont très jolis et ils nagent très très bien. Donc voilà, on a le swimbait aussi, articulé, le petit crank. Et un petit jerkbait à brocher. Donc si vous connaissez pas, allez faire un petit tour et vous nous en direz des nouvelles. Allez, on retourne à la pêche maintenant.
attaque au bord. Elle a complètement destroy le petit rocket perche. Allez, va vite retourner à l'eau. Le petit crank a encore frappé. Belle perche. 30 cm environ. Oh, ouais, un petit peu moins. Voilà, une jolie petite perche. Nice. On va faire quelques petits essais là dans cette petite baie. Ça m'a l'air bien. Là, juste devant moi, je vois des... Je pense que c'est un banc de petits fourrages. On voit facilement les harengs, en fait. Ils font des petites ondulations sur l'eau. Ouais. Hop, petite perche. Allez, fin de la journée et fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a essayé de faire un petit défi cette fois en Suède. Vu la qualité de la pêche de la perche ici, c'était, voilà, c'était vraiment l'occasion de faire ce petit défi avec le petit crankbait Unique Fish. C'est bien sympa. Ouais, ça c'est clair. En tout cas, j'espère que vous avez bien apprécié aussi cette vidéo. Les perches suédoises combattent vraiment de dingue. Et c'est vrai qu'on a pris un plaisir complètement fou à les pêcher. Voilà, pour le brochet, c'était plus compliqué. En tout cas, les gars, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et aller faire un petit tour sur le site Unique Fish pour aller voir ces petits leurres. Allez, salut. Ciao. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you.